Bonjour, je me présente, je suis Conspinator. Vous savez, la COVID-19, c'est très dangereux. Mais moi, je suis encore plus dangereux, car je suis capable d'entrer dans les cerveaux humains. Je prends un être humain tout à fait normal et je le transforme en conspi. Voyez, je vais vous donner un exemple. Ouais, pas de trouble. Pas de trouble, Gilles, pas de trouble. La minute, là, le maudit métro en marbre. Oh, ouais, c'est beau. Merci. La ligne est coupée, ouais. On achève les travaux. Je t'entends mal, là, mais j'arrive, ce sera pas long. OK. Bye. William. Qu'est-ce que c'est ça? William. Ah! Ah non! Entends-tu, les enfants? Des enfants! C'est vrai! Oh non! Il y a des enfants! William, tu es un conspi maintenant! Vous êtes où, les enfants? Non! Non, les enfants! Non. William, je te contrôle! Vous voyez, rien de plus simple. Je crée les conspi. Faites attention à vous. Faites-vous vacciner. Suivez les règles sanitaires. Avant que je vous contrôle. À la prochaine. Salut la gang, j'ai un message très très important pour vous autres. Si Dr. Arruda vous dit que ceci est une banane jaune, c'est que c'est une banane jaune. Et puis si vous osez dire autre chose, vous êtes des complotistes. Bonne journée. Banane jaune. Ceci est une banane jaune. Banane jaune. Et puis si vous osez dire banane jaune. Banane jaune. Vous êtes des complotistes. Bonne journée. Banane jaune. Ils font peur aux gens. Peur. Code rouge, code orange. Comme qu'ils ont fait avec l'Irak. Comme qu'ils ont fait avec 9-11. Comme qu'ils ont fait avec Pearl Harbor. Comme qu'ils ont fait avec toutes les autres guerres. Peur. Vous avez peur. Et donc, ils ont créé ce virus ou whatever. Il y a un virus. Okay? Et c'était l'arnaque médicale parfaite où ils pouvaient utiliser ça pour instaurer un contrôle. Yeah.
Oh yeah! Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle édition du Mercronspi, votre show que vous savez pas trop pourquoi vous écoutez ça le mercredi. Dans le fond, ouais, c'est ça qui se passe. On est un petit peu tout encore dans les derniers milles d'une pandémie qui va avoir sacré beaucoup d'affaires à terre et créé d'autres affaires on the side. Mon nom est Tommy Godette et comme à chaque mercredi, je suis accompagné de mon Godette Brother. Martin, ça va? Ça va se passer, toi? Grosse semaine, mais je pense que ça va faire du bien tout ça. Voilà, hein, c'est ce qui se passe. J'ai appelé l'épisode d'aujourd'hui le bus tragique. Je pense que vous avez une petite idée de pourquoi. On va y revenir dans l'émission. Sinon, ben, comme un peu à chaque fois, j'ai un petit texte pour vous pour se mettre dans le bain. Texte que j'avais perdu sur mon desktop et que je viens de retrouver. Donc, tout d'abord, hein, on a quand même plusieurs nouvelles pour vous. Hein. Martin va revenir avec un Bourras BQ. Moi, j'ai ça ici. Hein. C'est une nouvelle qui me crée probablement plus de peine que de joie, mais qui me crée de la joie. On a finalement trouvé un commissaire pour assurer la saine gestion d'une page Facebook qui va être consacrée à la Ligue des manifestations de Montréal. Pardon. En effet, Martin Bourassard Langlois, alias Marty Lang, qui est bourrasseur professionnel, s'est porté volontaire pour devenir le premier et on espère le seul commissaire de la LMM à vie. Malheureusement, donc, une page Facebook sur la Ligue des manifestations de Montréal s'en vient et on a un nouveau commissaire. Donc, on souhaite que son règne soit de courte durée. Ouais. Et fuck la LMM. Fuck ouais. La LMM. Oui. Donc, c'est ça, hein, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en background des tunes de relaxation et des oiseaux puis des chutes. Mmh. Ça ne sera pas trop pour tout le monde. Hein, on va, très bonne idée. Voilà. Donc, moi, si j'apprends que le 9-11, là, les terribles événements du 11 septembre, admettons qu'à un moment donné, dans le futur, j'apprends que ça s'avère que c'est un coup monté par la CIA, ben, je ne serais pas surpris. En attendant, ça ne change pas grand-chose sur ma vie puis le reste. L'impérialisme et le capital ont pas mal façonné le monde comme il est actuellement. Puis c'est correct que je base pas mes décisions de vie sur mon opinion du 9-11. Et en fait, mon opinion, c'est que j'en ai pas. Je sais pas,
puis je reste avec ce feeling de pas de réponse, et ça me va. Il y a toutes sortes de dérives conspirationnistes, mais on devient réellement complotiste quand on arrête de laisser du vague, quand on n'accepte pas de ne pas savoir et de ne pas avoir ce qu'il faut pour savoir. Quand on décide que des mauvaises intentions de gens à qui on ne va jamais parler sont responsables de la majorité de nos malheurs. C'est une vraie décision, ça. Puis c'est beaucoup là le nœud qui rend la discussion difficile, la polarisation évidente et blablabla. Parce que jaser des médias de marde puis de l'incompétence gouvernementale, c'est vraiment pas la même affaire que de jaser des merdias qui nous mentent tous intégralement et des gouvernements en entier, genre tous les fonctionnaires qui sont là pour notre mort. Quand une personne décide de placer sa foi en la mauvaise foi des autres, c'est là que le switch est dangereux. C'est une décision qui crée le cadre idéal pour dériver loin du consensus et ça se veut aussi une manière pour que sa réalité à soi vienne prendre le contrôle de sa réalité. À défaut de revenir en entier du bord du consensus, je vous conseille en début d'émission au moins d'aller vers la prudence que représente l'utilisation de mots simples comme « je ne sais pas »,« je ne suis pas certain »,« peut-être que je me trompe ». Surtout parce que ça va mieux vieillir et ensuite parce que se dire chercheur de vérité quand on se laisse aucun droit à l'erreur, c'est un peu louche. Puis aussi, il y a l'usuel avertissement, s'il vous plaît, restez patient quand vous discutez en ligne avec des gens pris de dérive. La pandémie est sur la fin, on se fait vacciner bientôt, ce sera un mauvais souvenir qui va avoir laissé des traces partout autour de nous. Ce serait le fun que les raisonnables puissent demeurer une faction intéressante de la population pour que les gens qui ont choisi de ne pas suivre le consensus se sentent intéressés, attirés par le dit consensus. Donc, on se retient de se mettre à plusieurs sur une personne sur les réseaux sociaux. On se retient d'insulter les personnes qui disent des affaires qui sont obviously pas informées. Et ben voilà, on reste patient et on pose des questions. Puis pour ceux qui doutent que le show de ce soir, le Mercronspi, sert à vous updater des mouvements de la dernière semaine dans la complotosphère québécoise, ceux qui croient que le show existe pour rire des complotistes, ben je pense que vous allez trouver le show de ce soir plutôt plate, du moins le début du show de ce soir, parce que les opinions et la désinformation ont encore fait des victimes cette semaine. On va avoir besoin de votre empathie et de votre ouverture d'esprit pour avancer. Selon moi, à chaque dur coup que prennent les théories conspi, les gourous se cachent en attendant que la vague passe pour revenir avec des monstruosités négationnistes et une relecture à leur avantage des événements. C'est ainsi que se manifestent les faits pour les gens pris de dérive, deux points, à l'avantage de leur narratif. Bingo! À chaque fois. Rien n'est irrécupérable pour leur cause. Aucune mort n'est trop récente pour ne pas être instrumentalisée. Là, Bernard Lachance est mort. Je vais faire mon possible pour me garder d'instrumentaliser sa mort. Ce n'est absolument pas mon but d'en parler ce soir, mais plutôt, je vais essayer de vous présenter un dossier sur les répercussions qu'a eu son décès récent. Récent au point que ça se compte en heures plus qu'en jours. Bravo à ses sœurs d'avoir parlé et de s'être ouverte sur ce sujet. C'est navrant de voir les threads sous ça, c'est navrant. Condoléances aussi aux proches de M. Lachance. Je ne présenterai aucun clip mettant Bernard dans l'embarras, mais plutôt on va vous montrer comment le temps a été court entre l'annonce de son décès et la récupération de la stratégie par les autres instances de la désinformation locale. Alexis vient d'ailleurs tout juste de faire une vidéo. Christ qu'il est nocif. Le titre du show de ce soir, Le bus tragique, fait également référence au fait que la Beauce s'est arrangée pour demeurer en haut de nos problèmes provinciaux. Ça va nous mener vers un petit dossier sur Samuel Grenier et Dan Pilon. Les deux ont des grosses nouvelles pour nous. Ça brasse dans le monde. Hein. On constate de plus en plus que faire une grosse manif conspi, ça fait que t'as des espèces de
de pelletées morales, de je sais pas, de coudées, de déni qui sont en retard à faire après. Ils prennent pas mal tous un espèce de break après ça. Voilà, je peux comprendre que c'est du trouble de parler avec le SPVM puis le reste. Mais bon, sinon, on va faire la découverte. Et je pense que vous allez tous être contents. On va faire la découverte d'un nouveau Pierre Dion, une espèce de Pierre Dion du Nouveau-Brunswick. Ah! Oh. Je pense que bien sûr. Tu vas apprécier. On va rencontrer aussi un allié de Maxime Bernier, puis juste après, on n'entendra plus jamais parler. Et on va découvrir un autre ancien animateur de Call TV qui semble être en train de s'acheter un Suburban. Le shérif est de retour, Simonceau et Manon Coutu aussi, mais la personne qui est le plus de retour, c'est Madoc, un gars qui a changé de camp sur une crise de tranche. En somme, j'ai mis la majorité du stock triste au début pour qu'on aille vers autre chose ensuite, et on termine en ciné-conspi avec un gars trouvé sur Odyssée par les gens qui nous suivent sur Twitter. Merci beaucoup à Monsieur V. Le gars s'appelle Ben Esprit Libre. Et on m'assure que c'est extrêmement saucé. J'ai très hâte de découvrir. Moi, je fais confiance comme ça à des gens qui m'envoient des clips et avec qui j'ai une belle relation en ligne. Sinon, Martin, on peut parler peut-être du plan pour clore le printemps, pour participer nous aussi à la manifestation indispensable du 5 juin qui vient. Ouais, avant, si tu me permets, bien sûr. Tommy, je vais juste adresser deux, trois affaires très, très rapides. Particulièrement dans le cas de Bernard Lachance. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment vous présenter ça autrement que de le dire comme ça vient. Moi, je suis particulièrement affecté par le décès de cette personne-là. Je n'ai pas d'autre raison que de vous dire que regarde de toute la gang d'affaires que peut-être qu'on a tous vues dans la dernière année, c'est celle-là. Ça a été celle-là qui m'a affecté plus que je m'y serais attendu. Je tiens à préciser, parce qu'il y a des gens qui ont communiqué avec moi, qu'il n'existe plus de gags qui ont été faits sur Bernard Lachance, sur Ménage Dimanche ou sur Twitter, de notre part. Si jamais il y en a d'entre vous qui en voyez, veuillez nous en faire part. Puis je veux expliquer pourquoi on a fait ça sans se justifier. C'est tout simplement que je suis d'avis, et ça c'est très personnel, mais je suis de l'avis suivant qui me vient de la façon que j'ai été élevé. C'est que si un adversaire, un opposant, quelqu'un avec qui tu te coltailles pendant un certain temps, en vient qu'à décéder, mon humble opinion, c'est que la chose à faire, surtout dans des circonstances comme celle-là, la chose à faire, c'est de dire de cette personne-là qu'elle a choisi sa vie et qu'elle a choisi sa façon de partir. Moi, je pense que l'affaire qui est bon prince à faire et à dire, c'est ça. C'est terminé, puis on aura assisté à tout ça. Les gens de qui il est important de se soucier maintenant, ce sont écoutez, là, je ne les connais pas personnellement, mais je présente mes sincères condoléances à la famille de Bernard Lachance, de un, et de deux. Il n'y aura pas nécessairement de... de rétrospective ou quoi que ce soit. Par contre, maintenant, ceci dit, on ne peut pas tenir qui que ce soit responsable de ce qui s'est passé de façon tacite, là. Il n'y a pas personne qu'un jour mis un 12 à la tempe de ce monsieur-là pour lui dire « Deviens un négationniste de ton affliction et traite-la d'une façon alternative. » Par contre, moi, ce que je déplore là-dedans, c'est qu'il y en a qui en ont fait l'apologie, il y en a qui en ont fait la promotion, et ça, je déplore ça beaucoup. Et ça, je vais exposer ça, que ce soit sur Ménage du Dimanche avec Tommy ou de toutes les façons et des dispositions dont nous serons capables d'utiliser pour ce faire. Maintenant, il ne reste qu'à tirer des constats de tout ça et c'est très malheureux parce qu'au final, selon moi, dans son plus simple appareil, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un qui, après avoir lu un livre, n'a plus cru en l'existence de la maladie dont il était affligé, à point tel qu'il a cessé de prendre la dite médication dont il avait besoin pour être auprès des siens plus longtemps et d'en faire la propagande. C'est ça qui s'est passé. Mais ce livre-là, ça ne vient pas des gens qui l'ont interviewé, sauf que on a assisté à une espèce de galvanisation de ses croyances.
Et là, ben, ça part en chier, ça part en couille. Maintenant, c'est ce que j'avais à dire là-dessus, Tommy. Maintenant, je suis d'avis aussi que il faut qu'il y ait quelque chose de festif qui sorte de ça. Et c'est pas à cause de ce que je viens de parler, ça s'est passé dans la foulée de tout ça. Et ce qu'on propose, et j'en ai parlé à Tommy tantôt, on en a parlé un petit peu nous autres aussi du côté de la communauté de ménage et dimanche et de la chambre froide, c'est qu'on propose une activité, voilà, qui va s'appeler, j'ai soumis ce nom-là à Tommy, il l'a accepté parce que, pour des parce raisons... Parce qu'on que... brainstorm longtemps d'habitude, c'est le nom des affaires qu'on fait. De un, puis de deux, ben, c'est parce que vous allez comprendre pourquoi, mais on veut appeler ça, le hashtag serait le BourrasBQ. Et voici la proposition qu'on vous fait, et soyez sans crainte, toutes les explications pertinentes vont vous être présentées sur les différentes plateformes que ça va impliquer. Ce qu'on propose, c'est de se donner jusqu'au 5 juin prochain, date à laquelle Amélie Poul, Lucie Vaudeville, Mel Goyer ont décidé d'organiser une manifestation qui se passerait probablement de façon totalement fortuite à côté du Centre des congrès, qui est le deuxième centre de vaccination le plus important au Québec. Mais c'est toi, t'es un addon, là, tu sais, hein, il savait pas. Fait que, restons dans le festif. Ce qu'on vous propose de faire, c'est la chose suivante, c'est que d'ici le 5 juin, et on vous donnera la date butoir, là, à laquelle il sera trop tard pour nous envoyer vos trucs, mais ce qu'on vous propose, c'est de faire un barbecue chez vous, en respectant les mesures sanitaires. Vous n'êtes pas obligé d'être seul, vous pouvez être deux, peu importe. Du moment que vous respectez les mesures sanitaires et que nous parlons ici d'une bulle, d'une cellule familiale, on s'entend, n'invitez pas le voisinage, faire un barbecue et nous envoyer un clip d'une dizaine de secondes environ dans lequel vous serez festif et vous ne serez pas ce qu'ils prétendent que nous sommes, c'est-à-dire des moutons monotones qui n'ont pas de vie et qui n'ont rien d'autre à faire que de les épier en train de manifester. Hey Martin, je sais qu'on n'en a pas parlé avant, mais ouais. Admettons des gens qui n'ont pas de barbecue, est-ce qu'on peut accepter un clip qui font juste comme danser dans la maison, vous faire des nouilles à côté du poêle? Là, on veut plus avoir des clips qu'avoir des barbecues. Non, c'est ça. Puis là tu fais très bien de dire ça, parce que quand on en a discuté avec notre communauté hier, c'est une des questions qui nous a été posée. Ouais, mais là, on fait pas de la discrimination de barbecue, puis on veut pas partir un barbecue gate. Puis non, c'est pas ça. Là. Non, on ira pas. Non, ça compte pas pour un barbecue, ben parce non. que c'est un feu de camp sur lequel ils ont brûlé des saucisses. On fera pas ça. On veut du monde heureux. On veut un montage qui prouve que c'est pas parce que tu es une moutruche qui reste chez vous à respecter les consignes et la science que tu n'es pas capable d'avoir du fun. Et voilà. C'est pour enfin éliminer cette espèce de Tommy. Fais ton signe. Narratif. Bingo! À l'effet que parce que tu acceptes d'appliquer les mesures sanitaires, t'es un party pooper. Puis, non. Regarde, ça n'a rien, mais absolument rien à voir. La deuxième raison qui m'est venue, d'où m'est venue cette motivation-là, c'est que je regardais probablement un truc qu'on va regarder aujourd'hui, si tu parlais de Madoc ou peu importe, mais tu sais, je regardais tous les reportages qui ont été faits. Sur la manif du 1er mai. Tu sais, je comprends qu'il y a du monde qui sont peut-être allés là juste parce qu'ils ont l'air d'avoir du fun. Tu peux avoir du fun chez vous, tu sais, ben ta gang à toi. Ben fait que 10 secondes, idéalement filmé à l'horizontale, idéalement. Si vous pouvez pas, vous savez pas comment, on verra pas votre vidéo de bord, soyez sans crainte, mais idéalement, pour ceux qui y pensent, on a besoin de deux affaires. Le clip, qui dure à peu près 10 secondes, et que vous nous disiez où vous êtes. On veut pas l'adresse, on veut la municipalité. Si vous êtes, c'est pas grave, là, si vous êtes à Rosemont, dans Rosemont, on dira pas, ah ben, c'est pas Montréal, ça, non. Juste, on veut savoir votre situation géographique, on va faire un montage avec ça, et l'objectif, c'est que le 5 juin, on présente ce montage-là, après la Ligue des manifestations, en simultané sur toutes les pages qui auront contribué à faire de ce mouvement-là possible. Alors, je vous lance plein d'affaires. Soyez sans crainte. On va toutes vous donner les bonnes informations. Les dates butoirs également, les dates maximales pour nous envoyer au montage. Et la raison pour laquelle on vous annonce ça là, c'est qu'il va y avoir en masse de temps pour vous de le filmer. T'sais, s'il y en a qui en font effectivement des barbecues, ben qu'ils fassent beau, t'sais, pis tout ça. Mais le mot d'ordre, c'est festif. C'est
party, on va mettre de la musique capotée, on va faire de quoi pour lui montrer que c'est possible de respecter les mesures sanitaires et de ne pas vivre dans l'amorosité. Non, oui, dans la dictature. Voilà. Et salut Vivi Prou. Est-ce que c'est tout comme ça, Martin? C'est tout comme ça, Tommy. Ben, écoute, avant de se lancer dans l'émission, qui contient encore une fois quand même pas mal d'images, je veux prendre un instant pour remercier sincèrement les modérateurs et rappeler à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder de rester civils, s'il vous plaît. On s'en va traiter de sujets plutôt rudes, peut-être un petit peu plus rudes que d'habitude. Donc voilà, hein, et si vous êtes membre Amazon Prime, je vous rappelle que si vous suivez la procédure que je viens de mettre dans le chat, on va avoir le pouvoir d'obtenir de l'argent de Jeff Bezos. Donc, c'est un calcul qui se tient. Et Martin, tu pointes le bus magique. Il y a un truc que j'ai oublié. Je vous demanderais de bien vouloir, si vous en avez envie, bien sûr. Je m'apprête à appuyer sur « Enter ». Pour vous donner le lien vers la toute nouvelle qui sort du poêle, chaîne YouTube de notre cher ami Domsy, où vous allez pouvoir retrouver en fait tout son matériel qu'il a été diffusé dans la LMM, sur Douteux TV, sur Ménage Dimanche, un seul endroit. C'est un lien court parce qu'on ne voulait pas vous donner un lien long de même là, parce que la chaîne elle vient d'être créée. Alors j'appuie sur Enter à l'instant, voici. Vous irez cliquer là-dessus, puis subscribe. On aime beaucoup ce que Domsy fait. Voilà. Et on veut le garder motivé. Donc, je vais le remettre quelquefois dans la soirée, là, mais allez donner un sub à Domsy. Il est en train de la populer. On vient de finaliser, de la mettre en place. Fait que vous allez être capable de... Et voilà, tiens, écoute... Douteux Globe. Oui, oui, voilà. Fait qu'allez donner un sub à Domsy pour l'encourager, puis tout ça. Il fait ça sur son temps. Et moi, c'est une des personnes en ce moment, là, qui me fait le plus rire de toute l'Internet. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Très content de l'avoir dans notre équipe sur plusieurs projets. Vive la motivation. Donc, là-dessus, Martin, t'es prêt? On se lance? Yes. Allons-y. Réglons ça. Ça a été la semaine qu'on a découvert que tout le monde a été super surpris. Hein, personne ne s'en doutait. Il y a eu un autobus, finalement, qui a ramené du COVID frais en région. J'ai cette belle, ici, caricature. Hein, il est écrit « Reopening ». Et ça, en fait, c'est une caricature qui vient du Toronto Sun et qui date de du 12 mai 2020. Donc, la caricature a un an cette année. Pas comme cette caricature-ci qui date de 1930, si vous lisez bien. Il est écrit « Ce comic a été créé autour de 1930 ouais. ». On a donc les anti-vaccins ici. Ils ne voyaient rien à cause des préjudices devant leurs yeux. Fadistes, ça, c'est ceux qui suivent les modes, on pourrait dire. Les joueurs de violon, peut-être, qu'on pourrait traduire en français. Mr. Careless, ça, c'est ceux qui s'en crissent. Ouais. Salut Dan Marino, on espère que ça va bien. Et les anti-toutes, est avec Alexis dans ce cas-là. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Ça manque pas ça d'arriver. Ça prolifère. Et voilà, hein, s'il y a quelque chose qui est très contagieux. Et ils sont sur la falaise de la désinformation et ils sont pour tomber dans la vérole. Hein. Vérole, qui est une maladie qu'on a éradiquée au début des années 80 de la surface de la planète, qui a été la chose qui a tué le plus d'êtres humains depuis le début de l'humanité. C'est évalué comme ça. Hein, t'sais. Allez faire vos recherches. Et qu'on a réussi, grâce à des vaccins, à éliminer. Donc, voilà, ça sera ça. Sinon, je vous ai parlé de décès. Il n'y a pas juste Bernard Lachance qui est décédé cette semaine. On a perdu un grand anthropologue, un homme à la voix assez particulière. Ouais. Et ça me fait plaisir, en honneur à Serge Bouchard, qui est décédé hier matin, de vous laisser ici avec sa petite introduction que je trouve, ça me rejoint beaucoup. Vous allez me comprendre si vous me connaissez. C'est au début d'un film qu'on va écouter vendredi. Ça s'appelle La République. Je m'excuse, j'oublie. Quand les humains sont arrivés sur Terre, essayez de vous imaginer, là, par un peu d'imagination, les humains sont arrivés sur Terre, c'était pas une bonne nouvelle. Je ne sais pas c'est quoi le plan de la nature, je ne sais pas si la nature s'envoie avec tout ça, là, mais il y a un dérèglement. Un animal à quatre pattes qui passe à deux pattes, on est bipède avec un gros cerveau, on a la tête assez enflée qu'on a de la misère à sortir de nos mers. Pensez-y, là, on passe juste. Très souffrant quand on passe, à cause de la tête. C'est pas à cause du pot, c'est pas à cause du corps, c'est la tête quand elle passe. Hey, Martin, regarde, je pense ça que fait ça souffrir, a commencé. Là,
On est tout nu. Le cendrier. Essayez de vous imaginer dans la nature des êtres tout nus. Comme qu'ils ont fait avec les autres gars, toutes les autres gars. Sur du sable. Merci tout le monde pour les bits, les follows et le reste. Ouais. Merci. Il y a plein de monde qui sont allés s'abonner à Dom C aussi. C'est ça qu'on veut. La nature a pensé à Long live de Dom C. Un homme de 63 ans qui se promène tout nu dans sa vanne. Pensez, c'est pas. En tout cas, c'est à vous décourager. Non, c'est ça. On n'a pas de griffes, on n'a pas de dents. On fait peur à personne. Tu sais, t'es ridicule en face d'un lion. Si tu te mets à courir en face du guépard, il va t'attraper. Seul. Il n'est même pas essoufflé. En fait, la nature a tout mis dans notre tête. Tout. Rien dans nos jambes. Rien dans nos mains, dans nos bras. On peut-être un peu de dextérité. On a l'endurance aussi, par contre. Oui. Mais enfin, il y a des fonctions. Mais c'est là. C'est ici. C'est un pari. C'est un pari. Parce que c'est la matière qui se met à réfléchir sur elle-même. C'est la première fois que t'as un système complexe de réflexion. Là, essayez de vous imaginer des êtres humains qui regardent le ciel, qui regardent le ciel, qui regardent le ciel. Paf! Ils inventent la religion. Ils inventent la poésie. C'est évident. Là. Ils l'ont vu. Ils l'ont pensé, réfléchi. Puis là, on se dénature. Tu sais, on s'éloigne. Tranquillement. Quand on était chasseur, ça paraissait pas qu'on était dangereux. Les nomades chasseurs du monde entier sont des sociétés tranquilles. Ça leur viendrait pas à l'esprit de mettre le feu à la terre. Un fond de... Effectivement, ils n'ont pas coupé tous les arbres du Canada. Allez, j'en ai un, moi, avec, en haut. Ils n'ont pas mangé tous les animaux c'est du Canada. C'est un malade. Ah, je sais, c'est fucké. Ils ne sont pas partis d'une multinationale. Ça a pris des Occidentaux pour arriver et dire si on mettait le castor en marché. Ça a trait des fourrures, puis là, ça a commencé. Au néolithique, on devient beaucoup plus agressif. Là, on a des greniers, là, on a des surplus, là, on commence à faire commerce, là, on se regarde. Alors, on est à la fois beau, parce que polyglotte. Là, on a commencé la diversité culturelle, parce qu'il faut bien aller voir le voisin. Là, on transporte des biens, puis là, on traverse des déserts, puis là, on se connaît, puis on est beau, on se métisse. Puis on n'est pas beau, parce que là, on se met à saillir, puis on se vole du grain, puis on se vole des territoires, puis là, on domestique des animaux. Là, on est entré dans cette phase-là, le progrès, la civilisation. On l'a fait avec de la haine. On l'a fait en volant les autres. On l'a fait en se battant nous-mêmes, en réduisant nos enfants au travail, en faisant mourir les gens dans les mines. On ne parle pas de ça. Puis tout ça, on est content, on a gagné. On est riche aujourd'hui. Aujourd'hui, on est riche. On ne meurt plus. On regarde la télévision. On a trois télévisions, deux garages, la des pancarte chars, enfin, les fins de semaine dans les centres d'achat. Tout est asphalté. C'est sur le plan historique pour un individu qui est passionné d'histoire, là, d'aller juste à Laval, puis t'asseoir, puis je suis respectueux de tout le monde et de moi-même. Là. Mais moi, là, Canadian Tire, ça me fascine, sur le plan historique. Ça me fascine, là, Canadian Tire. C'est l'histoire, tout ce chemin pour arriver là, au Canadian Tire, un samedi après-midi. J'avais déjà écrit un texte qui disait « Des millions d'années pour en arriver à tondre le gazon et à aimer ça. » T'acheter une tondeuse, puis ça fait ton bonheur. Puis je suis de même, moi. J'achète une tondeuse, je suis bien content. Mais je tombe mon gazon, pourquoi?